un peu. Des bisous, c'est bien, c'est tout. Je vous fais des bisous. C'est moi que tu embrasses. Viens, mon, viens là, mon amour. Viens, pas. À demain. Et bonjour. J'espère que vous allez bien. Écoutez, si tout va bien, je viens de rentrer tout juste du boulot. On est en train de petit déjeuner dehors. Je rigole parce que Ariel vient de nous sortir une pépite. Elle nous regarde avec Renaud, fait « Je vous préviens, demain vous me laissez dormir. » Voilà, voilà. Je pense que les vacances dans 3 semaines, ça va faire du bien. Vraiment, elles ont besoin là parce qu'elles sont quand même bien fatiguées. Mais bon, ça va le faire, ça va le faire. Doudou a super bien avancé. Il a mis les aloe vera dans les pots. C'est canon. Ça fait vraiment... ça accueille là. Ça fait oh, oh. Et il a super bien avancé au niveau de la jardinière. Je vais vous montrer. Goji, descends doucement s'il te plaît. Donc, nous avons la jardinière juste ici. Alors, il a installé cette lame-là et la petite là. Il va finir aujourd'hui, ce qu'il ne pouvait pas couper hier soir. Il a installé donc toute la menthe, les différentes menthes. Voilà, le basilic. Et ici, on a la ciboulette. Bon, alors là, ça fait assez aligné parce qu'on vient d'y planter. Mais après, ça fera un peu fouillu et c'est ce qu'on veut, quoi. Voilà, mais c'est canon. C'est trop, trop beau. Trop beau, j'adore. Oh, sinon, nuit très agitée au boulot. En ce moment, c'est agité. Mais bon, ça va le faire. Je vais m'occuper du planning repas. J'ai pas eu le temps de le faire. On va aller faire les courses ce matin. Donc, il faut que je me bouge un peu les fesses. Voilà, voilà. Ça va le faire. On y croit. Où est ma liste de courses? Elle est là. Oh, ça y est, le retour de course est filmé. Je suis en train de d'enlever tous les plastiques là pour pouvoir ranger tout ça dans ma réserve. Puisque, oui mon chat, j'ai racheté pas mal de concentré de tomates, de crème également parce que ma réserve crème, il m'en restait un. Concentré de tomates, c'est des petits et j'ai besoin principalement de grands. Donc voilà, je suis en train de faire tout ça. Concentré de tomates, j'aime bien ceux de Lidl. Ceux-là, t'es obligé de prendre le truc pour ouvrir. Enfin, bon, je suis un peu une feignasse hein, quand même, mais bon. Allez, je range tout ça. Après, je vais commencer le repas doucement, mais sûrement. J'ai... Hop, voilà. Hop, je vais faire les... À midi, c'est saumon avec... avec des délicatesses. Voilà, hop. Des petites pommes de terre délicatesses. J'adore les pommes de terre délicatesses. Bon, il est midi, je suis en train de faire le repas pour midi. Alors, normalement, à midi, c'était... alors, je vous dis normalement, c'était tartare de saumon, mais je vais changer mes plans. Je vais faire du saumon cuit à basse température avec une petite sauce fromage blanc ciboulette avec des petites pommes de terre délicatesse. Donc, j'ai fait les pommes de terre délicatesse qui sont actuellement dans la poêle en train de cuire, c'est ça que vous entendez. Et là, je vais faire le saumon. Désolé, j'ai le hoquet. Je vais faire le saumon, donc je vais le faire cuire à très très basse température dans un plat, un moule Guy de Marle, le rectangulaire. Je vais le couvrir pour pas que ça grille trop et voilà, on va se régaler, ça va être très très bon avec les pommes de terre délicatesse, un petit peu de sucrine ou d'iceberg et puis ça sera très très bien. Voilà, de toute façon, dès que c'est tout fait, je vous montre tout ça. Ah oui, il faut que je fasse également ma petite sauce fromage blanc ciboulette avec la ciboulette du jardin. Mon petit repas de midi, j'ai tout mis dans mon plat là. J'ai fait cuire donc mon saumon à basse température avec des petites pommes de terre délicatesse, avec le persil du jardin. Et j'ai fait une petite sauce fromage blanc, ciboulette. Voilà, ça va être très très bon. On va se régaler ma rominette. Oui. Il fait tout noir, il fait tout gris. Alors je vous explique, il est un petit peu tard, je vous prends seulement maintenant. Mais juste après le repas, je suis partie vite à l'école avec la classe de Cali. Je vous avais dit qu'on avait la maîtresse, en fait, elle m'avait demandé il y a quelques semaines de ça de faire une activité à l'extérieur dans le parcours de santé.
Et en fait, la dernière fois que ça devait se faire, il faisait pas beau. Donc la maîtresse avait annulé. Et là, il faisait, elle m'avait dit en début de semaine, bah, il devrait faire beau. Et tout à l'heure, on commence à manger. Là, je vois qu'il tombe. Donc je lui envoie un message. Elle m'avait laissé son portable. Je lui envoie un message. Je lui dis, est-ce que c'est maintenu ou pas? Elle me dit, oui, oui, c'est maintenu. C'est des petites gouttes, etc., etc. Donc bref, j'y suis allée. C'était trop cool. Voilà, on a fait... Il y avait 4 ateliers en tout. Un atelier sur un... Tiens, tu amènes ton tableau, mon chat? Kelly, elle allait le chercher. Un tableau, sur un tableau à coller de l'herbe, des feuilles, tout ça. J'ai fait l'herbe. Voilà le tableau. J'ai collé un gros. Ouais, c'est magnifique. C'est des petites pommes. Le tableau, c'est des petites pommes, ouais. Le tableau de Kelly, donc en fait, ils avaient fait le tableau à l'avance. Et on a mis du gros scotch et ils ont collé par-dessus. C'était vraiment trop cool, cette activité. Ça, c'était donc un premier atelier. Deuxième atelier, motricité. En fait, il y a le parcours de santé. Donc, ils ont fait le parcours de santé. Troisième activité, c'était une chasse au trésor, donc il fallait ramasser. Vas-y, après, dis. On lit l'histoire. Et après, on a lu une histoire. Et la chasse au trésor, il fallait ramasser des fleurs, des cailloux, des brins d'herbe et des feuilles. Et franchement, ils se sont éclatés. Ils étaient, donc, moi, j'avais un groupe de 10. Alors, c'était vraiment parce que il y avait 2 classes. Donc, j'avais des enfants que je n'avais jamais vus ou alors aperçus. Voilà. Donc, quand ils sont tous venus dans mon groupe, oui, mon chat. Et je leur ai dit, bah, vous me connaissez? Oui, t'es la maman de Kelly. Donc voilà. Et il y en a un qui tape sur l'épaule de son copain et dit, et la maman d'Aria, voyons. Ça m'a fait mourir de rire. Enfin bref, merci pour mon téléphone. Donc voilà, on a fait l'activité. Après, on est rentré. Enfin, après, je suis allée les récupérer parce que l'activité s'est terminée à 3h30, 15h30. Je suis rentrée un petit peu à la maison, je me suis reposée parce que j'avais pas dormi. Hein. J'ai dormi un petit peu. Doudou, il en a profité. Il a fait des crêpes pour le goûter, comme il pleuvait. Non, on touche pas les vis à papa. On touche pas, Zouzou. On touche pas. On touche pas. Interdit. Donc il a fait les crêpes, elles ont goûté et puis là on a pris un temps, on a joué, elles ont joué en haut, le bain, tout ça. Et là Doudou il est allé chercher le repas. Voilà, j'avais rien prévu ce soir exprès. On savait pas si on sortait, on savait pas. Et en fait là il pleut, c'est pas un super temps pour sortir. Donc qu'est-ce que t'as fait à Goji? Romy, faut pas embêter le chat. Tu l'as embêté? Ah bon? Bah si elle a fait ça, c'est que tu l'as embêtée, hein? Oui. Oui. Laisse-la, tu laisses Goji. Kelly, laisse-la, Goji. Laisse-la. Oui. Elle fait que ça. Laisse-la. Doucement, doucement. Goji. Voilà. Allez, je vais la mettre dehors. Arrête, hein. Viens là. Viens, je t'ouvre. Allez, file. Va dehors. Donc oui, après on a fait un temps calme en haut, elles ont joué, on a fait des jeux, etc. Et puis pyjama, là on est tous en pyjama et puis on va manger tranquillou ce que Doudou nous ramène. Voilà, ça sera très très bien comme ça, on finira et on débutera le... Alors on finira le vendredi, on débutera le week-end comme ça, ça sera très bien. J'ai reçu ma petite commande de chez Zara, je vous explique. J'ai passé une commande chez Zara en début de semaine avec des t-shirts pour les trois, des robes pour les trois, enfin voilà, des petites pépites que j'avais repérées. Et j'avais repéré cette robe, donc j'ai repéré sur... coucou! Non, c'est pas à toi, c'est à Kali. J'avais repéré cette robe sur l'Instagram de Charlène. Que je suis et en fait je lui ai demandé l'autre fois parce qu'on se parle souvent avec les parfums Yali etc, je lui avais demandé d'où elle venait et en fait c'est Zara, donc je suis allée sur la page, j'ai commandé la robe, je la voulais pour les trois, il n'y avait plus la taille de Romy, il y avait la taille de Aria et il n'y avait pas la taille de Kali, donc je me suis mis une alerte. Et l'alerte, le lendemain, me dit, il y a la taille de Kali. Donc, je commande la taille de Kali. Donc, j'ai reçu la robe pour Kali, mais je n'ai pas reçu la robe avec les t-shirts pour Aria. Ça devrait arriver lundi. Demain. Soit demain, soit lundi. Voilà. Donc, on verra bien. Hein? On verra bien, on verra bien. Tu me fais des guillis? La reine égyptienne. Et sinon, bah voilà, donc j'ai reçu ce colis. Et Doudou, là, il est allé récupérer des colis dans le locker. J'ai commandé des jeux de société sur Vinted. Je vous l'ai dit, la dernière fois, on jouait à deux Vinted. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de cartes...
facile pour les filles. Et en fait, c'est le jeu nomade que j'ai. Donc, j'ai commandé sur Vinted. Je l'ai payé 2 euros. Bon, alors sans les frais de port. Hein. Mais j'ai commandé le jeu entier. Donc là, il devrait pas tarder. Voilà, voilà pour tout ça. Ce week-end, on va peut-être faire des colliers, des bracelets et tout ça, non? Qu'est-ce que t'en dis? Hein? Ouais, il faut qu'on fasse le cadeau pour ta maîtresse. Ah oui, c'est vrai. Ouais, parce que je crois que c'est sa dernière semaine à ta maîtresse. Ouais, mais fais pas. Je sais. Bah ouais. Mais il y a maîtresse Claire qui revient. Ouais, je sais. Sa maîtresse Charlène, elle l'a depuis octobre. Donc, elle l'a eu presque toute l'année, en fait. Moi, je trouve ça un peu, vous voyez, à 2-3 semaines des vacances, c'est dur quand même. Hein. Enfin bon, après, elle nous a dit qu'elle reviendrait à la kermesse, tout ça, mais voilà. Donc, on va lui faire un beau cadeau à Charlène, d'accord? Un très beau cadeau. On va faire un énorme bracelet. Elle a mis mes chaussures, Romy. Couillou, couillou. Quel clown, celle-là. Tu veux faire caca? Oui. Eh ben, va. Bon, on est en train de faire un petit jeu de société, là, après le repas. Tic Tac Boom Junior. Les filles, elles aiment bien ce jeu. Ah. Voilà, pour le moment, c'est papa qui gagne parce qu'il n'a pas de carte. Voilà, voilà. Oh, ça y est, on a couché les filles. Écoute, on a passé une bonne petite soirée. On est allé chercher, on a testé. Il y a un tacos qui a ouvert il n'y a pas très longtemps. Bon, il était bon, mais moi, c'est vrai que je ne suis pas trop, trop fan des tacos. Je trouve que c'est trop brou, vous voyez, mais bon. Les filles, elles ont kiffé, elles avaient leur petite boîte avec un petit jouet et tout, c'était bien sympa. Je vais monter le vlog, on va faire un petit brin de ménage là pour être à peu près tranquille demain et pas avoir trop à faire le ménage. Je monte le vlog, j'ai des envois à faire toutes les enveloppes et tout, donc je vais m'en occuper aussi. Et puis, tout ce qui est compta et tout, on avait fini, hein. Bah, heureusement, parce qu'on est neuf, de toute façon, j'allais te dire. Donc, ouais, donc c'était le dernier jour là, donc voilà. J'ai 2-3 envois à faire, donc je vais faire mes colis et comme ça je déposerai tout ça demain. Et puis comme je vous ai dit, un petit brin de ménage, je vais faire un petit coup d'aspi et un petit coup de serpillière, comme ça au moins on est tranquille. Ah oui, et par contre il faut que je fasse mes desserts pour la semaine. Donc je vais faire yaourt avec confiture et sirop. Je vais faire des crèmes chocolat, des crèmes vanille et des riz au lait. Voilà, comme ça, tout est fait pour toute la semaine et on est tranquille. Donc, je vais lancer tout ça. Je vous montrerai tout ça demain. Et puis après, on ne va pas aller se coucher trop, trop tard non plus. Parce qu'on est... Ouais, il me regarde. Il faut qu'on bosse ce week-end. Donc, il m'a regardé, il m'a fait... Donc, franchement, je vous dis, je fais les yaourts. Non, en fait, tu sais ce que je vais faire? Ouais. Est-ce que je fais les yaourts? Au moins les yaourts, tu peux lancer les yaourts. Ouais, c'est facile. C'est prêt, la machine est là. La machine est prête. Je vais lancer les yaourts et à voir si je me motive pour le riz au lait. Oui. Peut-être le riz au lait. De toute façon. De toute façon, j'ai envie de vous dire. Bon. Non, mais non, c'est pas Céline Dion qu'il faut mettre. Oh. Mais tant que. Non, hé, n'abîme pas. Elle est magnifique. Non, c'est pas ta taille, la robe. Tu parles pas de moi? Non. C'est pas ta taille, la robe à Marguerite. Non, je vais faire les desserts au moins. Comme ça, au moins, ils ont bien le temps de prendre au frais. Bah, de toute façon, j'ai envie de vous dire, les yaourts, il faut 5 heures. Donc, 5 heures, ça sera mis au frais demain matin. Mais par contre, le riz au lait et les crèmes dessert, il faut que ce soit bien prêt au frais. Donc, je vais peut-être les faire maintenant. Pendant que le vlog s'exporte et que Doudou fait la miniature. Comme ça, on va se coucher ensemble. Et puis, voilà. Parce que si je vais me coucher sans lui, c'est foutu. Hein? Comme ça, on va se coucher ensemble, c'est mieux. Tu m'entends plus ronfler en ce moment. Ou je ronfle pas. Alors, je m'endors avant toi. Ouais, et je suis au boulot. Oui, ça. Alors, par exemple. T'imagines si je t'entends si du boulot ronfler, ronfler. Putain. Non, parce que regarde. Plus, mais non, mais regarde, mercredi, je suis allée me coucher avant toi. En ce moment, je me couche vraiment avant toi. Avant, c'était le contraire. Je me couchais ouais. après toi. Ouais, mais en ce moment... Non, mais c'est vrai. Hein. Il y a des périodes. Là, en ce moment, je suis épuisée. Vraiment. Et j'ai besoin de dormir. Donc, je me couche beaucoup plus tôt. Donc, voilà. C'est comme ça. Hein. Écoute, que veux-tu? Oh, non, mais il faut s'en reposer. Ouais, non, il faut qu'on s'en repose. Vraiment. Parce que là, je lui ai dit, hein, la dernière fois, on se couche... Fais, des fois. Là, aujourd'hui, typiquement... Là, j'ai pas dormi beaucoup. Hein. J'ai dormi quoi? Même pas une demi-heure? Non, même pas. J'ai dormi 20 minutes, je crois. 20 minutes, mais bon. Je dormirai bien ce soir et demain matin. Demain, on n'a rien de prévu. Les filles vont à la piscine dimanche. Donc, voilà. Voilà, voilà. Allez,
Je fais tout ce qui est dessert, etc. Et je vous montre tout ça demain. Promis, je vous montre tout ça demain dans le vlog. Mais comme je vous ai dit, je vais faire des yaourts avec confiture, avec sirop, dessert, crème dessert vanille, crème dessert chocolat et des riz au lait. Voilà, comme ça au moins on est paré pour toute la semaine. On a tous nos desserts de la semaine. En plus de ça, j'avais pris des fruits et tout, donc ça ira très très bien. Allez, je vous embrasse et je vous dis à demain. Des bisous, c'est bien, c'est tout. Je vous fais des bisous. C'est moi que tu embrasses. Viens là, mon amour. Viens, à demain. À demain. Veux-tu venir ici? Je ne le répéterai pas. Vite, dis-toi. Allez, oh mon téton. Oh mon téton. Encore un téton fuyant. Allez, bonne nuit. On est fracasse, mais on dit des conneries. Ah, oh, tu te mangerais plein de petites glaces là. Ça me ferait du bien. De quoi? Ça me ferait du bien de dire des conneries. Oui. Oui. Ouais, ah, une petite glace, hein, maintenant que les gosses sont couchés. Ouais. J'ai commencé à entamer le bac chocolat noir. Enfin, chocolat, ah c'est ouais, pas mal. Moi j'ai bientôt plus de crème chocolat au limoncello. Chocolat au limoncello? Non. Non, non. Juste citron limoncello, ah, enfin, ouais. Ah si, il y en a là. Attends, tu me les sens là. Le limoncello de Picard, il est divin. J'aime pas l'alcool, hein. Et il y a de l'alcool dedans, mais en fait, ah tu ouais le sens pas. Ouais, ouais, il y a de l'alcool. Ça, c'est là. Pour ça. Oh là là, c'est tellement bon. Vous l'avez bien pompé. C'est n'importe quoi. C'est trop bon. Ça, les petites glaces de chez Picard. On va se faire un petit dessert. Allez, on vous fait des bisous et on vous dit à demain.